deuxième jour de Yafé et aujourd'hui nous allons visiter la zone Made in Cameroun. Nous sommes dans la zone Made in Cameroun qui est située à l'allée des Fontaines. Cette zone compte environ une quarantaine de stands. Je suis Aminatou du stand Le Grenier de la Ménagère dans la zone Made in Cameroun. Comme activité principale, nous faisons le service de marché, la livraison des denrées alimentaires fraîches à domicile. La commande se passe 24 heures à l'avance. Comme activité secondaire, nous commercialisons les produits du Sahel à l'instar du beurre de karité, de l'huile de Nîmes. Nous confectionnons les pâtes d'arachide et les farines diverses sur commande. Comme également autres produits, nous avons le mayanga noir, produit dans l'ouest du Cameroun, dont les vertus ne sont plus à démontrer. Je me présente, je suis Sam, créatrice professionnelle de bijoux chic femme au Cameroun. Ma marque c'est Sam Créa et je suis basée à Yaoundé. Bonjour à tout le monde, moi c'est Monsieur Kani Jean-Marie, chef d'entreprise Beva Design Art et Déco situé à Douala au quartier P4. Je suis spécialisée dans tout type de bijoux dès lors que c'est du fameux. Mais j'ai des produits phares comme les bijoux de tresse très sollicités, les baillas ou colliers de rein également très sollicités, les bijoux cori et les bijoux en fil métallique. Beva Design fait dans la fabrication des sacs. La confection des accessoires de mode et de mariage. Nous sommes basés à Douala au quartier PK10 à l'entrée du marché et nous offrons aussi des formations à domicile et aussi dans les villes qui sont sollicitées. Bienvenue à Yafé. Alors je vous invite comme ça au stand B&Trust B-In qui fait le vin blanc à base de pastel, du vin Bibi, ici à base de pastel, d'hibiscus, du vin rouge moelleux, du vin rouge sec, hibiscus. Alors venez nombreux, 1500 francs la bouteille, alors n'hésitez pas. Alors, la zone Made in Cameroun est déjà installée et n'attend plus que vous. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va parler d'une nouvelle zone de Yafé 2022.